Donc cette formation donnée au lycée maritime du Guilvinec qui est faite pour faire des mécaniciens embarqués. Donc les mécaniciens embarqués sont censés travailler sur des navires principalement au commerce, à la pêche ou la grande pêche et possibilité en plaisance ou en yachting par la suite. Donc il faudra savoir contrôler le moteur. Après, on aura beaucoup d'électricité car le bateau doit être autonome d'un point de vue électrique, donc soit des batteries, soit des groupes électrogènes. Et après, derrière, il y aura ce qu'on appelle toute la partie auxiliaire, donc de l'hydraulique pour les appareils de manœuvre, les appareils à gouverner, les grues, les rampes, et après du froid, car autant sur un navire à passagers, on va avoir des chambres froides pour conserver la nourriture des passagers, ou alors pour la grande pêche, c'est la conservation même de la pêche, sur les thoniers seniors par exemple, ou sur les bateaux de commerce, la conservation de sa propre nourriture. Alors il y a deux choses bien différentes, il y a tous les diplômes éducation nationale, donc il y a une formation, il y a un examen intermédiaire en première qui s'appelle le BEP, et après il y a l'examen final, le bac en fin de terminale. Et après, il y a les diplômes et les brevets marine marchande. Donc, c'est ce qui vaut référence en mer. Donc, en première, ils vont passer ce qu'on appelle 750 kW. Donc, ils auront le droit d'être chef mécanicien jusqu'à 750 kW. Et en terminale, le 3000 kW. Donc, ils vont sortir avec un diplôme. Après ce diplôme, il va falloir qu'ils le transforment, ce qu'on appelle ça, en brevet. Et une fois qu'ils sont brevetés, après, il n'y a pas de souci en emploi.